Alors, petit bricolage du week-end. Ce que tu vois, je vais essayer de te le faire en direct. Ce que tu vois là, juste à gauche, c'est un émetteur laser. Ce que tu vois là, c'est un récepteur laser. Ce que tu vois là, c'est une porte en garage en bois, kit de chez AliExpress, pas bien cher. Là, j'ai rajouté une petite pâte en bois où j'ai mis deux LED bleues. Alors là, on va pas voir grand-chose. Je vais essayer de t'avancer un peu. Yep, là. Ici. Un nano. Ce que tu vois là, l'espèce de bitonio, c'est un buzzer en fait tout bête. Et puis en dessous, c'est un pont en H en fait, c'est pour piloter le moteur qui est là, qui était compris dans le kit en bois en fait. À la base, c'est une porte de garage en bois en fait avec une petite télécommande. Alors, attends, tu m'excuses parce que j'ai essayé de foutre un trépied pour pouvoir simplifier le truc. Je suis pas sûr que ça simplifie la chose aussi. Voilà. Donc à la base, c'est le petit garage que tu vois là, il s'alimente en fait avec une télécommande. Et voilà, tu peux l'ouvrir, le fermer. Donc ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai mis un rayon laser entre les deux. Alors évidemment, on ne le voit pas, hein, c'est un rayon laser rouge. Et quand je vais le couper, et ben voilà la chose. Ça ouvre la porte, ça fait clignoter le buzzer. Ça attend 10 secondes, quelque chose comme ça. En vidéo, c'est super long, disons. Et ça referme. Voilà, je vais essayer de te le faire sans l'éclairage. Si j'y arrive. Ça va peut-être mieux voir. Oh ouais, ça aurait été peut-être mieux comme ça. Même. Hop. Le petit bouton LED. Et la fermeture juste derrière. Voilà. C'est tout bête, mais ça m'a pris un peu de temps. Je t'enverrai les codes par mail si ça t'intéresse. Voilà, bonne soirée, ciao!